RMC, l'immanquable grande gueule. Cette obstruction qui équivaudrait à dire qu'il y a une sorte d'alliance entre la justice et la police, très franchement, écouter les policiers depuis des années et à constater sur le terrain depuis des années maintenant, j'ai pas l'impression qu'on ait déjà vu que les deux marchaient main dans la main. Et si certains disent qu'il y a effectivement des freins et qu'il y a une sorte d'alliance souterraine, alors on est là dans la fameuse théorie du complot. Je sais que c'est très à la mode, mais moi, ceux qui nous vendent ces théories de complot en permanence, ils me fatiguent. C'est comme ceux qui nous vendent ce que j'appelle une inversion des valeurs. Oui, mais certains avocats aiment bien également... Pour les comparutions immédiates, et les condamnations, c'est allé vite. On peut regarder aussi pour ceux qui ont perdu une main ou autre. Moi j'ai pas fait de préambule parce qu'à partir du moment où je ne dis pas, ça veut dire que je suis d'accord. Donc je suis d'accord avec Rose, avec Mourad quand ils disent il faut aller au bout des procédures. S'il y a quelque chose qui a dérapé, il faut condamner, pas de problème. Il y a déjà 60 qui sont. Je le redis pas parce que je suis d'accord avec vous. Mais cette tentative de vente d'inversion des valeurs que j'entends de plus en plus, comme quoi le flic c'est le méchant et le casseur c'est le gentil avec qui il faut être indulgent, c'est quelque chose qui commence à être traditionnel en France. C'est cette sorte de fausse bonne morale, de désordre élevé en exception culturelle. Non, c'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit. Non, mais là, on parle de procédure On a aussi entendu des témoignages de gens qui disaient on était à côté de chaos. Mais jamais le témoignage du casseur. Pourquoi? Mais non, mais il y a eu des comparutions immédiates. Non, il y a eu des comparutions immédiates et des gens qui ont été condamnés. L'immanquable grande gueule.